Je fais une petite pause parce que, mine de rien, avec le fait que je sois près de l'écran quand je joue à des jeux type FPS, comme ça, d'être près de l'écran, bah ça secoue un peu le bide, mine de rien, c'est bizarre, hein. Comme quoi, ça joue vachement. Parce que je me mets genre. Bah, je peux pas parce qu'il y a le fond vert derrière. Mais si je me recule, genre de 30 cm, ça me pose pas de problème, quoi. Et si, genre. J'augmentais le FOV. Je vais le mettre à 80 pour voir ce que ça change. Ça sera mieux ou pas, à votre avis, si j'augmente le FOV? Faut l'augmenter ou faut le diminuer dans ce genre de cas, je sais jamais. Quand j'étais petit, on a fait une cabane dans la forêt, dans un arbre, c'était stylé. Waouh, trop cool, trop classe. Moi, je me demande comment on fait pour jouer au PC tard et arriver à dormir. Oh bah moi tu sais je dors hein. La plupart du temps je bouquine un peu dans le lit je veux pas me coucher direct quoi. Je me détends un peu les yeux tout ça puis. Mais y a quelqu'un qui jouit à côté là? C'est la branlette. Ah, j'ai pris la porte. Prenez la porte. Vous savez, cette histoire qu'on a tous entendue au lycée ou au collège, hein, de cet élève hein, que personne n'a jamais vu en vrai, mais qui. Ah, qui on lui a dit machin truc, prenez la porte. Sortez dans le couloir, quoi. Genre, mais prenez la porte. Ah, bah, il a enlevé les gongs, il a pris la porte et il est parti avec. Combien de fois j'ai entendu cette histoire? Moi j'avais un pote, on lui avait demandé de prendre la porte, il avait juste dit, mais d'accord, je la mets où? Là c'est plus. Là en plus je l'ai vu quoi, enfin je l'ai entendu donc. J'ai vécu. Non, non, mais si je dors, hein, mon. Je dors, Michel. Un pote l'a fait, sérieux? Putain, d'accord. Mais vous avez. C'était un pétage de plomb de ma part. D'accord. Je l'ai fait en classe pérante. D'accord, tu l'as fait, Michel. Ok. D'accord. Donc c'est vous les rumeurs, en fait, les gars, quoi. Là, oui, le fameux élève qui a répondu la liberté, c'est ça en philo et qui a rendu une copie blanche. Non, c'est pas la liberté, c'est la. C'est pas la liberté, c'est ça, c'est. Le culot, non c'est pas le culot, c'est je sais plus. L'audace, c'est ça. Qu'est-ce que l'audace, c'est ça. Cette légende urbaine. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, pour le FOV, on fait quoi à votre avis? Faut le réduire ou faut que je laisse à 70 pour que ça me fasse moins chier la bite? Déjà, c'est chiant. Ouais, je vais le remettre normalement. Bon. Mais je peux pas reculer de mon écran. Ah, mais il y a la porte, je suis con. Il ne peut pas reculer de mon écran. Nouvelle future musique d'attente.
Et ils ont réussi à nous pondre une OST, quoi. Je sais pas ce qui me prend, pardon. Et mieux là. Je sais pas. Là, vous entendez pas la musique? Merde. On peut faire des dominos. C'est l'enfer ça. Non, il faut pas que je fasse ça. Arrête. Arrête. Ah non. Merde, c'est le but du jeu. Pourquoi? Mais où veux-tu en venir? Merci pour les grosses bites, ça tombe bien, il adore ça! Où va-t-on? Merci, merci Gaston pour les grosses bites, pour les 200 bits. Bravo pour ton travail, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah ben on va sauter par-dessus là, c'est ça? Ça, c'est une fausse porte. Non! Putain, c'est, on se croirait dans Truman Show. Attention, Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. La gâchette. Qu'est-ce qui s'appelle la gâchette gauche? Ah, des... Hein? Bon. Si je... Le réveil. Le réveil a sonné. T'imagines ton réveil quand t'appuies dessus, il devient énorme et il te casse la gueule. Hein? C'est un smiley? Pourquoi il est... Pourquoi il est un smiley? Mettre un sourire du monsieur quelque part dans la prise. Attendez, pourquoi d'un seul coup j'ai un... C'est normal? Je reviens. Hein? What the fuck? D'accord. T'entends pas fort, pardon, excusez-moi, c'est parce que le micro n'est peut-être plus au bon niveau. Ah, je le remets là, hein, du coup, désolé. Mais...
quoi de... Au secours. Mais ça... Ok. Du coup, je pouvais faire ça avec les portes tout à l'heure. D'accord, j'ai plus de smiley, très bien. Elle dit quoi? Mais pourquoi je duplique maintenant, putain? Appuie sur la gâchette de gauche pour retourner, mais ça veut dire quoi? D'accord, c'est une mauvaise traduction. Ok, c'est-à-dire que, hop là, j'appuie sur la gâchette de gauche et ça revient à l'initiale pour retourner, quoi. Pour retourner, sérieusement. Mais Jean-Michel traduction, quoi. C'est là. Ah, d'accord. Une pomme. Que pouvez-vous apporter à cette entreprise? Une pomme. Fils de l'homme. Quoi? Ah bah voilà. Ah voilà, maintenant c'est... Il n'y a plus de... Je peux passer la porte là, non? Oh putain, chier. Putain, mais y'a le qui. Oh, mais c'est énorme! Oulip! Ah, d'accord. Alors pourquoi ça c'est pas. D'accord, ok. Je change la musique. C'est donc maintenant. C'est chiant de dupliquer. J'aimais bien quand c'était. Quand ça dupliquait pas et que je pouvais. Là c'est une tomate maintenant. Hein? Je peux plus les prendre, c'est chiant! Warning, Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Tu GG le jeu pour moi. Ah bah merci beaucoup. Bon dodo Michel. Attention. Repose-toi bien, merci Dr. Pierce continues to input significant errors.
I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Putain, mais c'est chiant le mode de duplicage. Hello, name is my peer, Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs, or look good. Manger des pommes. Putain, on dirait un truc de d'hypnose entrecoupé d'images ultra gore qui flash devant tes yeux. Tue tes parents. La nature est bien faite. Mange-les au petit déjeuner. Oh, merci pour l'abonnement de niveau 1. Merci Gaston pour le sub-tier. Merci beaucoup. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system. Bisous Célia, merci bon dodo. Merci d'être passé. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Curieux. Ah, il est presque 23h, hein. Bah, dis donc. Ah, ça se duplique pas par contre, hein. Ça pète. Ah, oh, bah, dis non, c'est les mêmes nuages. Là, ça va être fou, l'Alice au Pays des Merveilles. Là, je sais comment ça marche parce que je l'ai vu. Merde. Pardon. C'était dans le trailer. Voilà, tu fais la maison. Et tu rentres dedans, c'est ma boule. Et on est tout petit. Parce que j'ai fait la maison grande. C'est pour ça. Ah. Je fais la maison plus grande que elle devrait être. Il y a des valises. Là, il y a la... Ah, c'est tout petit. Ah, j'ai ressorti. Merde. Alors, du coup, il faut que je la grossisse encore plus. Mais pas trop. Merde. Je me réveille qui sonne. Je crois que je suis encore un peu trop grand. Ah non. Ah. Non, je voulais juste... D'accord. Le poste de radio. Ah, ça me fera toujours délirer. Ah, attention, là j'ai mis... Ah, une télé. Ah, c'est marrant. Ah non, d'accord, c'est pas un écran plat. Je me disais...
Une mire sur un écran plat, lol. Hello, my name is Dr. Enfin, quoi que, non. C'est la neige qui peut pas y être sur un écran plat, mais une mire en plus, non. Je sais plus. Oui, bien sûr. Mais la mire, c'est propre la... aux ondes hertziennes, non ? Je sais plus. Should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may... J'écoute plus le mec, hein. Je lis plus, j'en ai plus rien à foutre. Non, la neige, non. Mais oui, la mire. Ah. Mire express. Oh putain, c'est un Jenga. Oh, on va le faire en gros. C'est ça? Boum. Comme ça, ça va. Ah, c'est merveilleux. Jenga! La porte est petite. Et j'ai quoi? Ah! Bon sang, bon sort de bordel de merde. D'accord. Et les autres, je peux aussi ou pas? Non, il y a juste celle-là. D'accord. Ça, c'est GG, ça, quand même. Il y a vraiment des idées incroyables. Huit! On devient fou, on devient fou. Jenga, c'est plus fort que toi. Il faut boire la potion, Alice. On est à la piscine. Mes traumatismes d'enfance reviennent. Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. See ya. Putain, oui, on peut. Ah non. Ah, j'y ai cru. Et là, on peut marcher. Allez. Non. C'est dommage. J'aurais bien vu un truc comme ça. Que ça joue aussi avec la gravité. Ça aurait été drôle. Et il y en a qui ont joué au jeu de la serviette. Attention, Jeannot, derrière toi, c'est affreux. Bonsoir, Titouan 80. Merci pour le follow. Je vais me faire fouetter le... Ouh, un château. Putain, dans le grand bain. Il y a un plongeoir et tout. Eh bien, écoutez. Ah, ah, merde. Putain, je fais exprès ou quoi? Mieux, là. C'est mieux. J'espère qu'on peut croiser un alien. Ah merde. Et c'est-à-dire... C'est trop petit, c'est ça? Ok, très bien. Merde. Oh, ça va le faire. C'est chiant. Ah, c'est encore trop petit, hein. Mais de toute façon, ça sert à quoi? Je m'en fous. Ah non, je suis con. Évidemment. Merde.
Non. C'est... Il fallait que je recule, je suis con, pourquoi j'ai pas reculé? Du coup, je me suis rétréci dans moi-même. Au secours. Ah, puis je suis... Ah. Pour commencer. Merde. Oh là, oh là, oh là. Ah merde, c'est trop gros ça. C'est trop gros, les gars. Ah, c'est trop petit ça, les gars. Ah putain. Allez, ça c'est bien. Mais non. Mais non, c'est pas bien. Ah bah oui, il faut que je... Oh mon dieu, mais je suis devenu minuscule. Mais merde. Putain. Ça m'a fait rétrécir aussi. Oh non. Ah, je me déteste. Ah putain. Ah putain de merde. Ah, je suis baisé. Bon, faut que je retourne en arrière. Je suis devenu microscopique. Ah non! Je suis une verrue. Ah, puis je peux pas. D'accord. Je suis baisé, quoi. Est-ce qu'on peut se softlock dans le jeu? C'est un peu l'impression que ça me fait, là, quand même. Là, il est trop petit, on est d'accord. Ah, quoique. Non, si, c'est trop petit. Putain, j'arrive pas à le faire dans la taille qu'il faut, quoi. Elle la portait bien, mais... Oh, la vache. Oh, putain. Oui. Ouh. Attends, je peux peut-être le mettre là-bas. Et what the fuck? Et qu'est-ce qui se passe à Chine? Ah, je peux pas. Faut que j'arrête le délire là. Ah, 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 je fais de la merde. Au secours. Au secours. Il faut que j'arrête de faire de la merde là. Ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Non. Non. Bon. Ah. Au secours. Faut vraiment que je me ragrandisse là parce que ça va pas. Je me sens pas bien. C'est pas grave, tant pis. Quel connard. Et merde. Putain. Chier. Ah. Putain, mais pourquoi il veut... Il rebondit comme un con. Je suis trop léger alors je rebondis, c'est ça? Oh putain. Non. Ah non, quel enfer. Ah, quel enfer. Je peux pas sauter. Bah tiens, je peux peut-être sauter par là directement. Tu vas finir par diviser par zéro.
Ah putain de merde, non, c'est une horreur. Ah putain. Ah non. Quel jeu. Ah, je vous le dis, un peu ce softlock. Vous allez apprendre des choses avec moi. Là, je vous le garantis. Softlock garanti. Alors que revoilà la sous-préfète. Merci pour les grosses bites, ça tombe bien. Merci Gaston encore pour les bites. C'est de la pitié, hein, j'ai l'impression. La porte est énorme. Oula. Il se passe des choses. Enfin, j'avoue, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Ah non. Non. Hey, c'est un glitch ou c'est pas un glitch, ça, les gars? Je suis tellement léger que je m'envole. Eh, hey, mais. Eh, mais attendez! Il y a le plafond là! Non! Ah non! Je peux plus bouger, je peux rien faire! Faut que j'arrive à choper. Il s'envole! Il s'envole! Il s'envole! Il s'envole! Merde! Il est où? Je voulais le faire grossir, ça n'a pas marché! Je peux rien faire, je peux pas bouger! Ah! Vous voyez qu'on peut softlock le jeu, moi je veux ça bien! Hein. Je peux m'en sortir, moi je suis persuadé que je peux m'en sortir. Ou pas. Oui, bon, je vais venir au point de contrôle. Voilà. Ok, donc reprenons. Ah, ça fait. Ah, je suis quand même petit. Non, ça va. Ça se passait bien au début, hein. Puis j'ai fait de la merde. Directement faire comme ça. Ah, je peux pas. D'accord, je suis obligé quand même d'aller dedans. Putain. Chiant. Bon, et là, je le fais grossir, ok. Faut le faire grossir. Hein. D'accord. Bah, techniquement, il est encore plus gros, là. Merde. Ah, merde, non. Putain, cette épreuve est incroyable. Non. On va pas refaire la... Non. Non. Putain. Eh ben, Michel est parti au mauvais moment. Dommage pour lui. J'espère que vous avez clippé ça pour Michel. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Anyway, you're now headed in the right direction. And we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Oh.
Oh non, je vois ce qu'il faut faire, putain. Attends. Il faudrait que j'arrive à... Ouais, non, c'est pas ça. Il faut déjà que j'arrive à monter sur une. Quoi, juste... Voilà. Oh là là, ça va être infini, ça aussi. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est absolument pas ça que je veux faire. Si, c'est ça que je veux faire. Parce que normalement, il faut passer dans une et prendre l'autre. Et... Il faut mettre l'une sur l'autre, c'est ça. Déjà, on va les mettre en face de ça. Si je ne m'abuse. On recommence. Je fais de la merde. C'était bien parti, mais j'ai fait de la merde. Pourquoi je me fuis ? Non, si, il faut que je sois... parce qu'il faut que je sois quand même à la bonne taille en fait pour rentrer dans l'autre porte là. Il faut pas non plus que je fasse. Ça me paraît bien. Non, ça c'est pas bien. Viens avec toi. Il veut pas quoi. Il vient pas de devant, mais il vient pas de derrière non plus, je veux que tu ailles dessus. C'est trop petit après. Putain, c'est chiant. Merde. Là ah non. Ouh. Oh. C'est pas mal. Mais ça marche pas. Génial, mais on peut à peu près y arriver, je pense. Waouh! Je suis encore perdu dans une autre dimension. Attention, vous êtes prêts pour une autre incroyabilité, mais dites-moi. Ça marche pas. Tant pis. Mais sans déconner. Mais non, on soit pas si gros. Déjà, soit pas si gros. Ça peut peut-être marcher. Ça peut peut-être marcher. Sur un malentendu, mais... Ah, merde. Pourquoi fallait que tu tombes? Ça me gaffe, putain. Je vais pas me la prendre dans la gueule. Je peux pas la mettre. Est-ce que si je la prends? Bah non, je peux pas la prendre. C'est trop gros. Arrête de faire des trucs si gros. Voilà, là c'est bien, là c'est bien. Là elles sont belles, elles sont la bonne taille, mais j'aimerais que tu ailles par-dessus. Faut jouer avec la lumière aussi, vous croyez? Putain. Oh, essaye. Moi, je vais essayer. On sait jamais. Merde. Oh, c'est casse-couille, ça, même. C'est méga casse-couille.
croyais que je peux en mettre un dans la... Mais non, je peux pas en mettre un dans la... Je peux pas en mettre un dans la... Oh, c'est quoi ça? Quoi, il faut que je me grandisse, c'est ça? Encore? Merde. Pas encore grandir? Vous êtes sûr? J'aurais pas deviné celle-là. J'ai l'impression que je peux pas grandir plus. Hein. Je la rétrécisse celle-là, c'est ça? Merde. Non! 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 Ah, le trou du cul! C'est pas possible! Ah, elle est là, hein! Je sais! Je l'ai vu glisser. Petite porte, où es-tu? Ah merde, je suis paumé. Attendez. Elle est là, vous voyez, j'avoue. Donc si. Je vais la remettre dans la lumière. Il y a toujours une solution, d'accord? Oh, je suis minuscule, putain. Oh, attendez. Ça va. Donc, tu étais là. Oh, si c'est ça, les mecs, je me bute. Quoi. Mon dieu, c'est ça en plus. Oh, quelle horreur. Oh, bah, merci, hein, parce que j'aurais pas deviné. Moi, pour moi, il fallait faire un truc à la portale, quoi, donc. Pour le coup, le backseat ne sera pas châti. Par contre, là, je suis tout petit. Hi. Et là, on voit une grande rousse avec des yeux bizarres. Ah, il y a encore ça, là. Oui, je descends quoi. Ah bah, de toute façon, je suis con. Petite maison. Attends, on va la mettre. Petite maison, on va la mettre là. Puis on va se grossir un peu parce que. Ah non, là on va pas pouvoir l'avoir. Voilà, merci. Eh ben c'était pas évident. Ah minou, putain, je suis tout petit.
Encore un petit peu et j'ai... Ah oui putain, il est déjà 23h10, merde. Je sais pas si... Emergency exit protocol initi... Je vais arrêter là. Ça reprend où? Ouais, c'est bon. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que il est 23h10, il faut que j'aille dodo.